C'est un truc comme ça, c'est pas mal. Hein. Deuxième Sandrine, c'est bien. Avec 8 jours de retard, plein d'enfants qui applaudissent leur père, c'est super, voilà. Et un petit supporter, ça fait beaucoup de bien. La dernière coupe très difficile. Alors,
pas mal du tout, voilà. Et voilà les deux premiers là. Et tout ce qui est... Journaliste. À monsieur Laurent le Julien, vainqueur de l'épreuve. Salut. Monsieur Laurent Julien, très modeste, et pourtant c'est un garçon qui a un palmarès incroyable pour ceux qui suivent les courses à pied, qui a gagné 15 jours à 24 km. Il travaille extrêmement chaud avec ses 30 degrés. Une caisse incroyable ce gars. Et là aujourd'hui il gagne donc le 10 km de Courcône, pardon. Là, c'est là où on s'aperçoit la capacité de certains. Un garçon comme Laurent, donc une très très grosse capacité. Voilà, donc là, un peloton qui s'égrène de plus en plus là. Les chaudières du Pays d'Auge. Comment elle s'appelle Ah, il la triche, là, on aide. Dur, dur. Ouais, je me doute. C'est bientôt fini, encore 100 mètres, et puis c'est bon. Même pas. Allez, c'est presque fini, les gars. Allez, 100 mètres à souffrir, après c'est une descente. C'est presque fini, Nozel. Allez, courage, c'est bientôt fini. Allez, courage. Salut. Thank you.
C'est fini. Allez, encore 100 mètres de difficile, les gars. Allez, c'est la fin, les gars. Allez, allez, bravo. Très amusant. Allez, c'est fini bientôt.
Ça se termine. Bien, mesdames, donc, ou mesdemoiselles, comment s'est passée la course? Tout d'abord, Claudia, le vainqueur de cette course. Alors, la course aujourd'hui, bah, comme d'habitude, bien, avec un petit peu de degré, chaudement. Enfin, maintenant, on est habitué, hein, on a tous les week-ends, chaque course, on est soumis à la chaleur. Vivement l'hiver! C'est quoi ça? Alors, comment, oui, alors, je voulais dire, alors, donc, Sandrine, alors, c'est passé comment la course pour toi? Ah bon? C'est Claudia qui allait trop vite ou c'est toi qui avais un peu de mal à suivre? Alors du coup j'ai ralenti, Claudia est partie devant et puis j'ai eu l'impression de ralentir de plus en plus. Et Louisa est revenue, ouais. Alors là du coup ça m'a remis un petit peu de boost. Pour essayer de ne pas finir troisième. Et alors pour Louisa, ça s'est passé comment? Eh bien, je suis partie un peu vite. J'ai regardé au premier kilomètre, je faisais une allure trop rapide, mais je me sentais bien parce que ça descendait. Et vous essayez de suivre Claudia, non? Non, non, pas du tout. Votre... Personne. Non. D'accord. Votre tempo, quoi. Donc j'ai couru à mon allure, mais j'ai ralenti au niveau de la côte, mais je me sentais bien. D'accord. Et puis après, à un moment donné, j'ai vu Sandrine et ça m'a boosté. Pour essayer de revenir. Je vais essayer de la rattraper. Et je me suis accrochée à elle jusqu'à la fin. Alors, ah d'accord. Donc la côte, la finale, ça n'a pas été un peu surprenant. La fin, c'était difficile. C'était difficile, ouais. La côte, je crois que j'ai fait des crevasses. Alors, satisfaite néanmoins de votre temps, de votre place aujourd'hui, les filles? Ouais. 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 Je regardais si j'allais me battre mon propre record, mais non. Non, non. Il y a les années qui passent. Ouais. Mais il faisait peut-être un petit peu chaud malgré tout, hein, parce que... Oui, ouais, je pense à la chaleur. Enfin, moi, personnellement, il y a eu l'issue du marathon il y a 2 semaines. Ah ouais, il reste quelques C'est difficile. Kilomètres, hein, à évaluer. D'accord. Alors, et Sandrine, alors là, on te voit également souvent sur les courses. T'étais où la semaine dernière ou hier peut-être, parce que... non. La semaine dernière, je n'ai pas couru. J'ai passé. Ça fait combien de temps que tu n'as pas couru? Non, ça fait 15 jours, j'ai fait les 10 km du temps. D'accord. J'ai mis 43 minutes et 5 secondes. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'était un peu plus dur. J'ai eu un peu les mêmes temps. Non, non. Je pense que proportionnellement, j'ai dû faire à peu près. À peu près le même temps, d'accord. Et la chaleur? J'ai moins souffert aujourd'hui parce qu'on avait de l'eau, on pouvait s'asperger d'eau et ça faisait beaucoup de bien. D'accord. Grâce à la vitesse. Et pour Louisa? La dernière. Enfin, c'était la 2 semaines aussi à Caen. D'accord. C'était le semi. Le semi, d'accord. J'avais fait 1h35. J'étais troisième aussi en VR. Alors, alors on sait que Claudia, il n'y a pas de spécialité, elle court toutes les courses. Alors Sandrine, toi tu es plus spécialisée dans quoi? À la base, c'était plus du trail. Ouais. Plutôt des 15-20 km. Mais après pas mal de blessures. Je préfère maintenant raccourcir un peu les distances. C'est vrai que c'est pas évident le trail quand même, hein. Il y a des fois... J'aime beaucoup, ouais. C'est un peu brisant. L'hiver dans la boue, ça peut faire mal. Ouais, hein. Ça peut faire mal. Et l'été quand c'est trop sec, ça peut aussi faire mal. Hein. Et Louisa, vous faites quoi plutôt vous? Un peu tout ce qui se présente. Je débute. Donc, vous débutez, c'est-à-dire? Ça fait 2 ans que je fais des courses. Donc, ah oui, déjà. Je sais pas pour l'instant, mais je pense que je préfère les plus longs. Plus longs, ouais. Et vous essayez justement de vous fixer des temps, des... Oui, quand même, ouais. Je me prépare, un temps. Oui. Donc vous êtes dans le club de Lisieux, j'imagine. Oui, voilà, donc on se prépare avec un temps précis. Là, il y a un groupe à Lisieux qui se crée pour faire des entraînements, du spécifique. On s'entraîne ensemble. Tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs, on fait du fractionné. D'accord. Et là, on prépare le marathon du Val d'Oreuil. Marathon du Val d'Oreuil, oula. Au mois d'octobre. D'accord. Entre temps, vous allez faire autre chose. Ou l'été. Peut-être des petites courses pour des petites courses. Ouais. Ce sera notre prochain. D'accord. Alors, puisque vous débutez, ça fait 2 ans simplement, donc là, il va falloir battre vos aînés, là, bientôt. Là.
va surtout nous remplacer. Moi je vieillis. Bah moi aussi je vieillis. Ah oui, mais on s'aperçoit que sur les courses, les petites jeunes, elles n'ont pas forcément le bon rôle. Hein. Surtout sur les longues distances. Il faut être endurant. Hein. Oui, j'aime bien. Je préfère. Vous préférez? Ouais, l'endurance. Alors, prochain objectif pour chacune d'entre vous. Alors, Claudia. Alors, peut-être le marathon à Florence le 26 novembre. Ah oui, mais entre-temps, tu vas pas. Ouais. Ponto de mer. Ah oui, dans 10 jours, dans 15 jours. Qu'y a-t-il encore? Il va y avoir du VTT pendant tout l'été, là. Et la rentrée, Livarot. Oui, Livarot. Tiberville. D'accord, donc toutes les courses du haut. Le semi-marathon d'Argentan aussi. D'accord. Alors ça, c'est plutôt au mois d'octobre, ça, un truc comme ça. Ouais, premier octobre. Ouais. Ils ont envoyé déjà l'inscription hier. Et Sandrine? Si tout va bien, j'aimerais bien faire Livarot. Ah oui, mais là, c'est dans 2 mois seulement. Donc, ouais, mais avec les vacances, les week-ends sont... Ah oui, c'est vrai qu'on vous voit surtout, vous plutôt, avec vos amis, là, autour d'une table. Donc évidemment, l'entraînement est moins bien. Elle est cool. Et puis, le trail de Cambremer, je ne l'ai jamais fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais là, tu disais tout à l'heure que tu voulais plus faire de trail. Ah oui, mais celui-là, c'est un peu particulier. Je peux faire des exceptions. D'accord. Ok, ben on va vous souhaiter un bel été. On vous retrouvera certainement sur les prochaines courses, mesdemoiselles. Merci à vous. Bien, Laurent, donc vainqueur au foulée de Courtonne. Alors, on t'avait pas vu au foulée de Courtonne aussi. T'es déjà venu ou il y a longtemps? Non, jamais. Jamais, c'est la première fois. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Oui, oui. Donc, alors, il suffit que tu viennes pour gagner. Hein, c'est pour ça. Les autres ont eu peur de toi? Non, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Hein. D'accord. Alors, bon, alors un petit 10 km pour toi, ça devait être une balade puisque tu viens de faire deux longs trails sous la chaleur. Donc là, c'était quoi? C'était facile? Oui, mais c'était plus pour faire de la vitesse. Donc, j'étais décidé à me faire mal. Ah oui, c'est vrai? Tu t'es fait mal? Ouais, ça a été quand même parce que j'ai la distance me convient aussi. Hein. Mais il y avait 3 jeunes devant qui sont partis très vite. Ils m'ont mis plus de 100 mètres et bon, après j'en ai rattrapé un et puis les 2 autres je les ai eus dans la descente. D'accord. Mais par contre sur la fin, le dernier kilomètre, j'ai eu un peu de mal. Un peu de mal, ouais, parce que tu connaissais le parcours? Non, pas du tout. Non. J'avais juste regardé un petit peu le profil. D'accord. Sur le papier, quoi. Mais c'est tout. De toute façon, t'as pas besoin, toi, n'importe quoi, c'est bon. Non, mais on sait jamais, quoi. Mais voilà. Alors il faisait un peu moins chaud que les courses d'avant, là où t'étais à Campigny et à Villequier. Mais bon, c'était bien organisé parce qu'il y avait ravitaillement comme il fallait. Là. Ah d'accord. Oui, c'était très bien fait. Parce que l'autre fois, Campigny, à Villequier, c'était pas ça? Ah si aussi. C'était pareil. Si, c'est des trails, quoi. Normalement, tu cours plus en autosuffisance. Bien sûr. On prévoit davantage. Donc ici, ça, tu l'as trouvé comment le parcours, puisque pour une première fois? C'est joli. Ouais. C'est vraiment la campagne. Ouais, c'est pour toi, ça? Ah oui, j'aime bien. Ouais. Mais le bitume, un peu moins, mais si on veut aller vite, faut du bitume. Mais alors bon, toi, tu fais du trail, du 10, là, tu vas faire quoi, là, cet été? La prochaine course, normalement, c'est le week-end prochain, à Saint-Gatien-des-Bois. À Saint-Gatien? Ah oui, le trail du Bois Joli, voilà, ouais. C'est ça. Alors, donc tu seras là-bas. Donc alors, ouais. Ok, bon, ah oui, un trail que tu as déjà gagné, ça. J'ai gagné. T'as gagné, t'as fait deuxième derrière notre ami Stéphane, c'est voilà. Ça? Et puis justement, on est à égalité avec Stéphane. Ah, donc ça va être... Je crois que ça doit être la 4e édition. T'en as gagné. Donc normalement, cette année, c'est moi qui dois gagner. Tu dois gagner, d'accord. Voilà, vous avez décidé de vous partager, donc voilà. Ben, c'est bien pour nous, on écrira le papier avant, ce sera plus facile. Non. Donc alors, mais c'est pas compliqué de passer d'un trail de 20-25 et à une petite course comme ça, j'ai envie de dire, pour toi, de 10 km sur le bitume? Au niveau musculaire, non? Non. Je cours pas beaucoup en semaine, alors j'ai pas trop le temps. Alors. Moi, tu m'épates parce que on a l'impression que tu fais pas d'entraînement, t'arrives? Non, je cours quand même, mais je fais rien de spécifique. Ouais, d'accord. Je fais pas de vitesse, pas de série, rien. Quoi. D'accord. Mais faut récupérer quoi, la semaine. Mais parce que tu fais quoi dans la semaine? Tu cours combien de fois? 4 fois. 4 fois quand même. Si je cours le dimanche. Ouais, d'accord. Je cours 4 fois dans la semaine. 4 fois et puis. Alors 4 fois combien de kilomètres? Le plus court ça va être 12. Ah oui, quand même. Et puis plus long ça va être 14. D'accord. Bah, c'est régulier. Alors tu cours autour de chez toi, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, j'ai un circuit là, une ancienne voie ferrée. Mm-hmm. Et puis je repasse par Pont-l'Évêque. En général, je m'achète du pain et je rentre chez moi. Parce qu'il me faut un but maintenant pour courir. Avec les années, ça devient un peu... Et ça te manque pas des fois d'être dans un club dans lequel il y aurait un peu plus d'émulation? Non. Ben non, parce que... T'as rarement été dans un club, quoi, finalement. Si dans des groupes de travail pour faire de l'entraînement. J'aurais bien aimé, mais... Au niveau des horaires, c'est pas possible. Je ne peux pas. Ouais, tu je ne peux jamais prévoir jamais, où je vais être, à quelle heure. D'accord.
Donc là, toujours licencié à Bayeux. Oui. Ouais. Oui. Alors, il ne te voit jamais, alors? Bah non, non, il y a 80 km. Ouais. Ça marche comme ça. Le licencié de Bayeux que les gens de Bayeux connaissent pas. Non. S'ils te connaissent maintenant par, ouais, par les photos, les vidéos. Des années maintenant, ouais, j'y suis. Sûr, ouais. Et ça te convient bien d'être dans ce club-là, ouais? Bah moi j'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance. Ouais, d'accord. Et puis je connaissais pas mal de monde. Enfin, je connais beaucoup moins maintenant. Ouais. Donc tu les, donc ces gens-là, tu les vois sur les courses? Oui, oui. Voilà. Bah d'accord. Oui, puis j'ai Farid Asnaoui. Ouais. Il court très bien et ouais, il me donne des conseils aussi entre deux. Et on s'entend bien. D'accord. Alors, parce qu'il y a quand même deux clubs autour de chez toi, les joggeurs du Pays d'Auge et le CA Lisieux. Oui, j'y étais au jogger. Mais j'y étais au jogger du Pays d'Auge, mais ils n'étaient pas licenciés. D'accord. C'était pas. Ah oui, c'était une association simplement. Ouais. Voilà, c'était une association. Mais donc après, je suis allé à Lisieux, ouais, j'ai couru à Lisieux en tant que licencié. Je suis quand même revenu une année à Pont-l'Évêque. Mais il n'y avait pas d'équipe et ouais, je voulais aller au championnat de France de cross. Ah oui, d'accord. Et puis tout seul, j'y arrivais pas, donc je m'étais dit, bah, tiens, je vais aller à Bayeux parce que je connaissais du monde. D'accord. Et puis finalement, l'année où j'arrive à Bayeux, bah, ils étaient tous blessés. Ah. Et puis, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pu me qualifier en individuel. D'accord. Pour aller au championnat de France de cross. Alors, est-ce que là, tu as ce type d'ambition de repartir faire des compétitions comme ça ou pas du tout là, des... Non, bah, non, parce que je... T'as passé quand temps, même, là, ouais, je vais passer V2. Bah, c'est pas uniquement ça, c'est que t'as un peu moins de temps, quoi, pour... Bah oui, mais j'ai non, jamais eu beaucoup de temps non plus, mais il faut récupérer, quoi. Et ça baisse quand même un enfin, peu. Enfin, c'est quand même dingue, parce que tu dis tu récupères, là, tu viens de faire trois courses en trois ouais, week-ends. Je faisais c'est jamais ça. C'est quand même dingue. Il y a longtemps que je faisais plus ça, ouais, puis bah, je courais des marathons avant. Ouais, c'est ça. Mais là, j'en cours plus. Hein. Là, tu veux plus faire de marathons, des gros, de très longues distances. J'avais des problèmes au niveau du ventre. Ouais. Et puis là, apparemment, ça va mieux. Alors, peut-être que je reviendrai sur marathon. D'accord. Un peu. Je vais voir. Il ouais, faut faire une préparation, là. Oui. Enfin bon, toi, quand on te voit tout faire, je me dis qu'à chaque fois... Préparation après, voilà, ça va être d'enchaîner des trails, ouais, remonter un peu sur 30 km, ouais, c'est ça, d'accord. Puis courir un petit peu plus en semaine. Quoi. D'accord. Voilà. Ok, et eh ben merci, ben, on a envie de dire à la semaine prochaine, puisqu'on d'accord, te reverra. Allez, salut merci. Laurent, merci.